démarrage de la V89 après une année sans démarrer. Donc la V89 est de nouveau opérationnelle. Donc euh, j'ai eu quelques petits problèmes avec. Excusez-moi, je cadre mal. Euh, carburateur, prise d'air. Prise d'air au carbu. Entre la pipe et le carburateur. Euh, bon, bah, ça, ça ne change pas. Hein, la maladie des deux Et ça, 15. Comme d'habitude. Je dis ça parce que je les connais très bien, ces carburateurs-là. Et c'est pas des carbus que je porte dans mon cœur. Euh, je l'ai monté dessus trop riche donc j'ai rebaissé le gicleur principal enfin le gicleur principal en même temps il n'y a qu'un seul gicleur là dessus donc j'ai rebaissé le gicleur euh, j'étais en 65 je l'ai fait que je le rebaisse à 54 euh, parce que en fait je suis un... repensé mais moi avant je roulais dans les débuts je roulais avec ça quand j'ai monté le carbu de 15 au départ je roulais avec ça sauf que maintenant j'ai ça c'est une boîte à air de 51 où j'ai enlevé les deux obturateurs d'air à l'avant. Problème, réglage carbu à refaire, bien entendu. Et j'ai un énorme coup de gueule envers Delorto pour ces carburateurs là parce qu'il y a un défaut sur ces putains de carbu qui on a depuis plus de 10 ans. Oui, oui, plus de 10 ans parce que ça fait 8 ans que j'ai le DT50 donc ça date quand même un petit peu ce problème là. Ça vient du corps du carbu. Et je vais vous montrer sur celui qui est cassé. Le problème vient tout simplement de ça là. Bon, il en manque un morceau, hein. voilà. Ils sont mal usinés et ce qui fait que quand on serre le carbu, en fait, il y a une butée qui se fait, il y a une petite butée. Et quand on serre le carbu, en fait, vous prenez le carbu comme ça, ça tient. Sauf que quand vous mettez, vous roulez avec votre machine et que bah, vous mettez le moteur euh, à fond, bah le carbu, il fait comme ça sur la pipe. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur la 89. Et yeah, l'autre fois ça commence à me gonfler. L'autre fois ça commence à me gonfler, je l'ai serré, 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 puis bah paf Le carburant a pété. Et euh. Voilà, comme d'hab. Le problème de l'orto et s'achat 15. Là, je l'ai modifié, mais il glisse encore. Et c'est la pipe d'admission maintenant. Donc la pipe, je l'ai acheté chez mon concessionnaire l'autre fois. Euh, il m'a dit que c'était de la qualité, mais bon, je le savais dès le départ que c'était euh, pas de la qualité technique, ça a jamais été de la qualité. Donc la pipe elle va être temporaire, je, dès que je peux, euh, je vais même la commander tout à l'heure, je pense. Mais je vais recommander une pipe d'admission de l'orto SHA 15, enfin pour de l'orto SHA 15, mais en mal aussi, parce que les mal aussi sont de bonne qualité. Ça, c'est pas de la qualité. C'est de la lutte de merde, euh, usinée comme mes couilles. Et puis voilà. Donc euh, elle marche plutôt pas mal. Là je vais contrôler tout ce qui est serrage euh, euh, d'échappement, de culasse et tout ça. Je remonte ses carénages. Et après on va aller lui faire un brin de toilette. Ce qui lui ferait peut-être pas de mal aussi, vu que ça fait un an qu'elle est là, qu'elle roule plus. Donc bien joué, bonjour, rebonjour. Et nous revoilà dans cette vidéo. Cette partie se passe beaucoup très longtemps après la première partie enfin la roche que vous venez juste de voir alors pourquoi beaucoup longtemps après bah, tout simplement parce que j'avais changé le carburateur comme vous vous rappelez euh, il était cassé ainsi que la pipe problème c'est que la pipe qu'on m'a vendue elle a cassé aussi euh, ensuite la nouvelle carbute n'est pas dessus donc ça m'a un peu saoulé j'ai racheté une pipe d'admission mal aussi 27 euros et toujours le même problème. Donc je vais vous montrer le... comment j'ai résolu, on va dire... J'ai pas retesté, là j'avais testé avant, c'était mieux, mais il bougeait encore. Là, j'ai pas encore retesté, c'est juste que je vais vous montrer euh... la manipulation à faire, si on peut dire. Donc si jamais euh, vous avez une machine avec un carbu euh, SHA... Euh... 14-12, 14-14, 15-15 et 16-16. Euh, la modif à faire, ça se passe ici, sur le corps. Donc je vous conseille de le faire uniquement si votre carburateur ne tient pas. N'allez pas le faire si votre carburateur tient. Je tiens à préciser que si vous avez un carburateur neuf et que vous faites ça, vous sautez la garantie. Hein. Donc je, peux, je ne serai pas tenu responsable en cas de problème. à savoir aussi qu'en faisant cette manipulation-là, après, il y a un risque de casser. Au serrage, vous vous risquez de casser le corps au serrage hein, si vous serrez un peu trop fort. Euh, moi, euh, j'avais remarqué c'est qu'en fait j'avais quasiment pas d'espace hein, en fait. En fait, le problème que j'avais principalement, c'est que j'avais pas d'espace entre là, enfin entre le côté euh, le côté là et le côté là. Donc j'y ai mis un coup de dremel avec un disque. Hein, donc euh, par contre pour ça, je vous conseille c'est vous Écartez euh, avec un tournevis plat au maximum et vous passez un coup de dremel dans toute la longueur. Vous y allez pas comme un demeu dès le départ. Hein. Vous en mettez un petit coup, euh, vous remettez la bague, vous remettez la vis, vous remettez sur la machine, vous serrez, vous, vous prenez votre carbu comme ça et vous essayez de le tourner. S'il tourne, vous redémontez, euh, vous renlevez la bague. Donc pour enlever la bague, vous écartez avec un tournevis plat. Donc euh, le haut du carbu, vous rentrez un tournevis plat dedans là. Vous l'écartez. Toi, c'est pas le moment que tu tombes. Et vous prenez un crochet comme ça. C'est des crochets qu'on sert pour démonter les joints toriques. Et vous passez entre le entre le, le truc, l'allée du carbu et la bague. Et vous tirez, bah vous faites tout le tour en fait. Et vous allez sortir la bague. Euh, par contre, je vous conseille de faire ça uniquement si vous avez une pipe d'admission qui est neuve et uniquement avec une bague de carbu neuve. Ça là, cette bague là. Moi les neuves, hein. bon, elle est un peu grise à l'intérieur parce que je l'ai essayé plusieurs fois. N'allez pas le faire. Si un exemple, cette pièce-là, elle, elle peut être usée aussi. Donc changez-la. Votre pipe peut être usée, changez-la et prenez une pipe de qualité. En tout cas, sur les machines comme ça, là on avait 7 je vous conseille de prendre du mal aussi et surtout rien prendre d'autre. Hein. Parce que là, j'avais une technique, euh, elle n'est pas ronde. Euh, et si ça fait pareil, après vous faites la modif, mais encore une fois, je tiens à vous, à vous le redire, hein, je vais peut-être être chiant, mais vous, si vous modifiez votre carbu, vous perdez la garantie du carburateur et vous pouvez risquer de le casser après au serrage. Euh, et ça, pour le coup, je ne serai pas tenu responsable, hein, ça sera de votre faute. Euh, moi, je l'ai fait parce que j'avais remis, remis le carbu... Euh, je vous disais, moi je l'ai fait parce que j'avais remonté le carburant H14 de la 89. J'avais réussi à choper la boîte à air d'origine, mais elle est, elle fonctionne pas avec la boîte avec le carbu d'origine. Il n'y a rien à faire. Je galère pour la démarrer. Elle tourne pas bien. Et euh, là, j'ai par contre, j'ai encore un truc qui me, une supposition sur un truc. Elle tourne pas terrible, terrible. Et j'ai une supposition de, de prise d'air, donc pas au niveau du, de la culasse ni du bas moteur parce que ça vient tout juste d'être fait vu que j'ai fait un serrage. Hein. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et euh, je pense peut-être un joint speak à sauter, je sais pas, j'en sais rien. Et voilà. Donc là, je vais remonter euh, la bague dans le carbu. Je vais remettre la vis. Et euh, je vais remettre le carbu sur la 89. Et je vais le serrer. Je ne vais pas remettre la cuve. Je vais pas remettre. Euh, je vais juste remonter la bague et la vis, juste pour voir déjà que le carbu y tient. Donc là, euh, c'est mieux, mais euh, ça ne tient pas encore terrible terrible. Hein. Je vais le remodifier encore un peu, mais uniquement sur la partie haute du carbu. Euh, la partie basse est bonne. En fait, là, le problème, c'est la partie haute hein, qui, euh, qui, bah, qui ferme pas assez. Enfin, qui n'est pas assez ouverte. Donc, là, regardez, après serrage, je vais couper la lampe. Et il n'y a pas assez d'ouverture en haut. Enfin, surtout à l'arrière quoi. Alors ne me demandez pas pourquoi que le carbu est décalé comme ça, je l'ai eu comme ça celui-là. Donc Et euh... eh bah ce que je vais faire, c'est que du coup, bah je vais... Avant de le modifier, peut-être essayer un truc, peut-être de mettre une rondelle là. Déjà. Bon, je regarde si j'ai des rondelles larges. Et essayer avec une rondelle déjà. Donc bah écoutez, là, ça m'a l'air d'être bon. Bon, je vais pas dire qu'il tient à 100%. Hein. Mais c'est beaucoup mieux. Euh, maintenant, il, il pivote uniquement que quand je force vraiment euh, fort dessus. Euh, je ne vais pas le modifier plus que ça euh, parce que j'ai pas envie de prendre le risque de casser le carburant non plus. Euh, donc là, c'est plutôt pas mal. Euh, je ne peux pas vous dire la quantité qu'il va falloir enlever parce que ça dépendra de votre carburateur, bien entendu. Là, vous voyez, maintenant, j'ai un minimum de jeu à l'ouverture du carbu. Donc là, c'est plutôt bien. Euh, c'est plutôt bien déjà, hein. franchement. Euh, non, non, là, c'est bon. Euh, par contre, petite, euh, petite, euh, un petit truc que je vais vous dire. Euh, quand vous allez faire ça, que vous allez usiner votre carbu un petit conseil. Vous remettez la bague déjà, et puis vous essayez de pas à l'enquiller au marteau, hein, de façon à ce qu'elle soit rentrée au maximum. Par contre, une fois que vous avez remis la vis, vous la serrez à fond jusqu'à faire toucher les deux parties. là. Si vous n'avez pas trop usiné, ça casse pas. Alors pourquoi Parce que si vous le mettez sur la 89, si vous le mettez, enfin sur la 89, je suis con, si vous le mettez sur votre véhicule, avec la pipe d'admission, la bague, elle ne va pas pouvoir s'écraser parce qu'il y, bah, y aura la pipe. C'est de façon à remettre les deux parties euh, correctement, quoi, de façon à ce qu'elles soient euh, bien, euh, bien approchées l'une de l'autre. Là, franchement, je peux, moi je ne peux pas faire mieux. Après, bon, le problème, c'est que le carbu, moi, il est déformé. Je l'ai eu comme ça, ce carbu-là, donc euh, je ne sais pas s'il avait pas été monté sur un véhicule pour des essais ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Euh, ça va rester comme ça pour l'instant. Tiens, euh, je ferai des, des tests demain pour voir si la, 80, la 89 fonctionne. Euh, je pense que je vais certainement être bon pour faire un bon nettoyage carburateur. Euh, là je l'ai nettoyé à l'alcool mais je pense que euh, je vais peut-être voir pour euh, quand je vais pouvoir m'en racheter un peu d'essence et le nettoyer euh, correctement parce que là il paraît peut-être propre comme ça mais il peut y avoir peut-être de la limaille dedans. Je pense que je le passerai peut-être euh, je le ferai peut-être faire un passage à l'ultrason je pense. D'ailleurs, ça serait peut-être même mieux. Donc voilà. Donc sur ce, bah c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo m'aura été... pris énormément de temps à faire parce que je l'ai commencé je crois en mars ou avril et là actuellement on est au mois de octobre. Tout simplement parce qu'il bah, a fallu que je fasse des essais et tout ça. Après comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai serré le moteur quand j'ai remis l'H14. Donc euh, voilà, enfin, ce n'est pas la raison du serrage. Hein. La raison du serrage, c'est que j'ai oublié de serrer la bougie. On est venu me déranger au mauvais moment, donc voilà. Euh, bah là, je vais euh, leur monter. Je vais y changer le filtre essence parce que j'ai vu que le filtre essence est cassé. Euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dépôts dedans aussi tout à l'heure, donc je pense qu'un de ces quatre il va falloir que je démonte le robinet d'essence euh, pour nettoyer le filtre, et puis voilà. Bah sur ce, bah pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. Donc, LG Motorsport Racing, Mob 11, Gotha 11 et StreamX 2.0, la chaîne YouTube de mon petit frère. Euh, vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Bruno Devin, qui est une chaîne sur les voitures sans permis. Euh, je ne réponds plus aux questions sur Instagram comme sur YouTube, parce que bah maintenant j'ai quand même pas mal d'abonnés et je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, euh, bah sur ce, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.